Et donc, tout le monde, on recommence un nouvel épisode parce que là, ça y est, il faut vraiment. Merde, qu'est-ce qu'elle a fait? Ok, ça commence comme ça. Je prends le flag, elle le jette. Il faut se dépêcher de sortir de là. J'ai préféré faire un nouvel épisode pour ça parce que voilà, c'est comme ça. Allez, grimpe! Oh! Avec le flingue, elle ne grimpera pas plus haut avec le flingue. Ah si. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas besoin de flingue pour faire ça. Mais... Ah oui, il y avait... La vitre, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est pas... Oulala! Il y a un bug! Mon flag est passé où? Ok, il est vide. Ah, les flics! Vite, 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 non. J'attends. Oulala, j'ai rien pour me protéger. Ça lag un peu, c'est normal, ça prend deux personnes ici. Je déteste cet endroit. Oh oh. Comment je monte? Ah le pot. Va vers le toit. Là. N'oublie pas que c'est l'ennemi public numéro 1. Pour s'expliquer un chiffre avec plein de zéros. Ok. Yes, à gauche. Non, pas à gauche. À droite. Non, pas à droite. À gauche. Sérieux, il devrait avoir une passerelle ici quoi, y'a rien à faire ici. Tu peux. Non, lâche. Ah mais quoi? Mais t'as quand même pas la porte. Ah, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Elle s'accroche à la porte, mais je peux pas m'accrocher à la porte, bordel. D'accord, maintenant elle veut même plus s'accrocher à la poutre. Même pas de musique, hein. Oh non, y a plus de musique. Le musicien, il est en grève. Par contre, les vitres... Ouais, pas de musique. Y a plus de vitres. Il y a du fail dans l'air, n'est-ce pas? En tout cas, désolé de vous avoir lâché si précipitamment dans le dernier épisode. Hein, parce qu'on a fini Roper. J'ai fait une connerie, j'aurais pas dû bouger la souris. Parce qu'en fait, tout simplement, on est arrivé à l'apogée du chapitre sur Roper. Bon, on n'y est pas vraiment encore, mais on s'y approche et à grand pas. Et du coup, je me suis dit, bah. Alors, déjà pour commencer, il y a des endroits qui ne servent à rien. Et... Oh putain! Et je me suis dit que. On pourrait. Passer à l'épisode suivant. Hé! Hey, ouvre cette porte! Encore, ils vont pas te lâcher. Oh, mais c'est chiant! Grouille. Allez! Non, t'es sérieux? Mais je peux pas me faire le jeu sans prendre un coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont bien un pas? Sérieusement?
un parc pour les employés, je sais pas, mais qui utilise ça, sérieusement? Personne. Qu'est-ce qui se passe là? Oula, 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 putain, oulala. Ok. Non. Ok, bon. Merde, on la perd. Là, ça sert à bugger. Merde, on la perd, je sais. Est-ce que je peux les envoyer loin, ceux là-dedans? Et ça, ça sert à quoi, sérieusement? Pas grand chose, hein. Oh, y a que du stockage ici. Oh, le rat. Le rat. Bref. Go. Alors. Non, pas par là. Ah, si. Break à une planque en hauteur. Dirige-toi vers les grues et je te guiderai quand tu seras. Planque en hauteur. Là-bas? Pas de problème, Berk, voilà. J'ai le pied. Fais gaffe, les flics ont un hélico pas loin. C'est pas nouveau ça. Hein, quoi? La roulette ça marche pas pour aller en dessous? Ah, c'était par là. C'est bon, merci s'il te plaît. Est-ce qu'on va viser là? J'ai quelques kills à peu près là. J'adore les phases FPS, mais surtout comme ça. Mais il y a du parcours, c'est génial. C'est là-haut? Non. Je garde le fun. Là où il y aurait des renforts. Et je défonce la porte. Non, c'est pas ça. Halt. Ok, faut que je monte. Voilà, que personne soit tenté de l'utiliser contre moi. On sait jamais. J'ai pas envie qu'il y ait un peu qui se serve de mon arme pour me tirer dessus. Non, c'est pas mon arme. C'est l'arme de quelqu'un que j'ai assuré. Ah, un trou dans la grille. Sérieusement, ça a été soudé avec perfection. C'est Berk et Céleste qui m'ont fait ça, je suis obligé là. Ah, il est insolite cet immeuble. Pas mal ça, le plafond, tout ça. Ah bah c'est par là, pardon. Oh, je me suis trompé de chemin. Je regarde un petit peu les graphismes. Oh. Access. Évidemment, je vais sur le toit. Hein.
là. Il y a un ascenseur, rien que pour moi, pour le toit. 5 signatures. Il y a un truc anti-messager. Bon, j'arrive pas à tout traduire donc c'est pas grave. Bref. Ah. Elle a l'air en mauvais état cette grille. Mais je vais pas y aller parce que je crois que c'est pas par là qu'il faut y aller. Fire hose. On a pas le droit de faire. En même temps, quand tu passes ça à côté de toi. Ah, c'est chiant ça. Voilà. Là, bizarrement, la circulation reprend. Petite roulade et ça empêche de courir. Donc en plus, Space, c'est super mal. Ah, les grues. Ah, une plaque de bord, très de bord du vide. Non, elle n'est pas encore tombée. J'essaie de mettre à l'abri sous les échafaudages. Ils doivent pas avoir l'habitude. Oh non, pas ça. Aïe, aïe. Je vois la mort en face de moi là. Plus pas encore. Ouais c'est ça. Mais non. Mais enfin mes cours sur les murs. Bordel. Ah. Non. Allez, pas de Tommy. Allez. Pourquoi elle veut pas? Pourquoi elle veut pas marcher sur les murs? Elle le fait toujours. Elle refuse catégoriquement de marcher sur les murs. Ah bah voilà. Oups. Déjà on est pas par terre, c'est une bonne idée. Mallette, non? Non, mallette. Elles servent à rien les mallettes. Vous pouvez les avoir, je crois que c'est juste pour les bonus sur la tête. Ah, pas cet endroit. Oh, oh putain, dégage toi. Voilà, tombe. Eh, j'ai gardé le flingue, non, évidemment. Saut. Ah. J'ai fait de roulade au bord, à la bordure de cette plaque. Cet oiseau ne reviendra pas au nid sans un verre. Je dis pas ça pour toi. Avance, allez, allez, fais quelque chose. Dès que je vais apparaître à l'en sud, tirez dessus. La grue. Blague? C'est une blague? Ouais, c'est vrai.
Oh oh, j'ai entendu une fusillade. Bon. Oh. Où il est le pote? Ah ah. Là, petite couche. Encore une. Tiens, ça te va? T'en veux encore? Bien. Suivant. Ah. J'aurais pu. Hey, j'aurais pu prendre une. De... Il y avait un autre chemin. Ah ouais, depuis là-bas. J'aurais peut-être pu prendre une tyrolienne. Vite, c'est toi avant que les lignes reviennent. Oh, c'est bon, ça. Calme ta joie. Ah. Autre sens, j'ai dit. Aïe aïe aïe. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Non, 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 non. Je vais le faire. Oh, je suis éclaté la gueule quand même. Oh. Sur le clavier. Hey, tu peux contacter Miller? Je dois le revoir. Oh, ouais. Sérieux. Ah, ça y est. Fin du chapitre. Et fin de l'épisode par la même occasion. Allez, je vous laisse découvrir. J'ai eu votre message. Je me suis renseigné sur Rob Byrne. Pourquoi? C'est Travis Burfield, ancien garde du corps de Pope. Vous pensez que c'est le tueur? Peut-être. Il a certainement piégé Kate. Il voulait qu'un flic soit accusé, et il n'était pas seul. Il aurait mentionné un projet Icar. Burfield est très dangereux, Face. Il n'est pas du genre à se laisser faire. Il a piégé ma sœur. Désolé, Face. Pourquoi? Pour ça. Je veux pas laisser tomber Kate non plus. Mais les sociétés de sécurité privées deviennent trop encombrantes. Elles empiètent sur notre territoire. Ce qu'elles attendent, c'est que la police fasse une bavure. Mais j'ai peut-être un bon moyen de les amadouer et d'aider Kate. Leur livrer... Moi. Oui. Ce qui compte, c'est Kate et sa sécurité. Alors je vais vous relâcher. Et si vous me menacez encore une fois, vous êtes mort. Et maintenant, je crois que je vais faire une faveur à la ville. Se diriger vers le rendez-vous de Rob Byrne. Tu penses que c'est Rob Byrne? Pourtant, on dirait bien que c'est un hélicoptère de police. Qui d'autre pourrait bien s'offrir un hélico pareil dans cette ville? Pas grand monde. Et tu devrais y aller si tu veux les choper. Et te montre pas trop non plus, il y a les flics. Et non, on se reverra au prochain épisode. N'hésitez pas à liker, à pouce vériser la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à suivre mon Twitter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye les gens!